matin, monsieur. Bonsoir. Moi, c'est Domomat et je suis très heureux et honoré de co-présenter ce numéro spécial de votre émission Chemin Critique avec Fiston Oleko, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Domomat. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons, avec notre invité que vous allez découvrir tout à l'heure, explorer le séquelle post-traumatique lié à la colonisation et à l'esclavage. Pour essayer d'en comprendre l'impact sur notre société congolaise et aussi pour en guérir et engager une fois pour toutes le Congo sur l'orbite des développements. Pour en parler, nous recevons sur ces plateaux Monsieur Mbombo Kayembe Irénée, à qui j'ai dit également bonsoir. Bonsoir, Monsieur Momat. Pour la petite présentation, M. Mbombo Kayembe Irénée est un militant politique des droits de l'homme, entrepreneur social et chercheur vivant en Grande-Bretagne où il donne des formations en sensibilisation à la culture africaine, à la police, aux gardiens des prisons, aux fonctionnaires de l'État, aux enseignants et aux animateurs de jeunesse. Il joue ou il a joué un rôle bénévole dans diverses organisations communautaires faisant la promotion de la sensibilisation et permettant aux gens d'identifier, d'analyser et de résoudre en permanence les difficultés et problèmes liés au développement durable et à l'intégration dans la société britannique. Monsieur Mbombo Kayembe Irénée, qui est congolais, qui a commencé par étudié au Congo, est aussi auteur de l'ouvrage intitulé Héritage post-traumatique du roi Léopold II au Congo. Ce livre met en exergue l'impact psychologique des régimes oppressifs passés qui ont laissé des séquelles qui empêchent le Congo à démarrer. C'est en nous basant sur ces livres que nous allons cultiver la matière d'aujourd'hui. Monsieur Mbombo est auteur. Comme on l'a dit, il est en train de préparer un autre ouvrage qui établit un lien de racisme entre la conférence de Berlin de 1885 et ce qui se passe au jour d'aujourd'hui avec la RDC. Voici pour la petite présentation de Monsieur Mbombo Irénée qui nous fait l'honneur d'être sur ces plateaux avec nous. Alors, première question, Monsieur Mbombo Irénée. Vous avez exploré l'impact psychologique des régimes oppressifs dans votre ouvrage, L'héritage post-traumatique, que nous venons de citer tout à l'heure. Pourriez-vous nous expliquer quelles sont ces séquelles et comment influencent-elles les développements socio-économiques du Congo aujourd'hui, plus de 50 ans d'indépendance après? Voilà. Je vais expliquer ces séquelles que nous vivons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'elles sont très très ancrées, très profondes, tout simplement parce que c'est des séquelles qui datent depuis plus de 5 siècles maintenant. Parce que, rappelez-vous, Léopold II a privatisé, si vous voulez, le Congo depuis 1885 Lors de et la conférence de lors Berlin. de la conférence de Berlin. Avec la hiérarchisation des races, nous, on était comme du bétail dans sa ferme qui était le Congo, parce que le Congo était sa propriété privée. Ce qui lui a permis de faire tout ce qu'il pouvait faire Il sans avait, aucun sans, état sans, d'âme. il n'avait sans aucun état d'âme, sans avoir des comptes à rendre à qui que ce soit, il n'a d'ailleurs jamais foulé ses pieds au Congo. Alors, pendant ce temps, profitant du temps de l'ère du caoutchouc, la découverte du caoutchouc en pneumatique, ça a fait beaucoup de boom et il nous a exploités jusqu'à la lie. Et il a utilisé des méthodes très fortes de coercition, telles que le travail était forcé, il a utilisé la chicotte, il a coupé les mains aux personnes qui n'atteignaient pas le quota de caoutchouc que lui demandait. Il a coupé les têtes, il a coupé toutes sortes de membres, il a fouetté les gens devant leur Pour famille les humilier. pour les humilier,
pour les leur enlever cette fierté-là d'homme. Leur enlever la dignité, la fierté. Là. À la fin, les gens n'avaient plus ce qu'on appelle le self-confidence. Ils n'avaient plus la confiance en eux. Voilà. Et ce manque de confiance faisait que tout le monde devait courber les chines pour aller dans le sens des poils. Et ça, déjà, en fait, c'est un traumatisme. C'est un séquel très grave. Alors, donc, imaginez-vous qu'on a vécu plus de 80 ans sous ces régimes oppressifs très durs, comme ça, sans aucun traitement en termes de guérison. Après ce régime, nous avons été passés à l'État belge, qui a continué avec le Congo comme sa colonie. Et dans cela, l'État belge s'est permis beaucoup de choses, beaucoup d'autres oppressions, telles que prendre 267 Congolais du Congo, les amener en Belgique, dans un parc, dans un zoo humain, les exposer, en train de faire les mimiques, ils étaient considérés comme des animaux, comme des sauvages. Et les Belges, les autres Européens venaient à ces expositions-là, ils donnaient de l'argent, ils se prenaient en photo pour exhiber la sauvagerie, et puis expliquer le fait qu'ils étaient venus chez nous en philanthropes, parce que ils ont comme des civilisateurs. Voilà, comme des civilisateurs. Donc il fallait par conséquent exhiber ces petits sauvages et montrer combien du bien on leur fait. Mais en réalité, c'était une séquestration, c'était une oppression très sévère. Après l'État belge, quand est arrivée les indépendances, comme vous venez de dire, après 60 ans d'indépendance, l'indépendance que nous n'avons jamais vraiment eue, il y a eu les régimes qu'ils ont dirigés, qu'ils ont pilotés de loin, comme le régime de Mobutu, qui nous a aussi opprimés. Nous avons eu d'autres régimes après Mobutu, et jusqu'à ce jour, nous continuons à avoir une certaine oppression, parce que l'oppression n'est pas nécessairement physique, hein, il y a l'oppression sous toutes les formes. Mais ce que je voulais souligner en termes de séquelles, c'est que toutes ces oppressions, tout ce traumatisme que nous avons subi depuis des siècles n'a jamais été guéri jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons une très grande difficulté à entreprendre quelque chose en tant que Congolais pour nous-mêmes. Je vais vous laisser continuer, oui. Mais pour permettre aux gens qui nous suivent de mieux comprendre votre pensée, mm-hmm. Vous voulez dire qu'après les années d'esclavage, de colonisation, que vous taxez, vous qualifiez d'Holocauste dans votre ouvrage, oui. L'Holocauste subi, non pas par le Juif cette fois-là, mm-hmm. Mais par le Congolais, oui. Tout ça a fait que finalement, nous en sommes malades aujourd'hui. Nous sommes malades, nous sommes même. Cela nous a traumatisés. Tout à fait. Nous sommes un peuple traumatisé sommes... et malheureusement, nous l'ignorons. Nous l'ignorons et justement, au niveau des dirigeants, il n'y a aucun traitement qui n'a jamais été entrepris. Et cela freine notre développement, notre épanouissement, parce que nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous acceptons pas. Pour les gens qui nous suivent, mm-hmm. Comment expliquer que nous soyons encore malades et comment concrètement attribuer cela au fait que c'est dû à ces traumatismes-là? Alors, je m'en vais donner un exemple peut-être qui pourrait élucider. J'ai donné l'exemple du travail forcé. À l'époque, depuis que le pays a... Enfin, lorsqu'il était sous exploitation, on a construit le chemin de fer. Le petit chemin de fer que nous avons a été construit par un travail forcé. C'est-à-dire, ce ne sont pas des ouvriers en bonne et due forme qu'on a recrutés pour faire ces travaux-là. Ils le faisaient sous les coups de fouet. Ils ont construit ce chemin de fer sans être payés. Il y en a qui mouraient sur le chantier, affamés, tout le reste malades. Alors, vous voyez maintenant que lorsque vous êtes soi-disant indépendant ou bien vous êtes libre, vous ne pouvez pas de vous-même aller construire le chemin de fer,
parce que ce n'est pas votre affaire. Vous n'êtes pas allé le construire parce que vous aimez le pays, vous voulez faire quelque chose pour le pays. On vous a forcé à le faire. Et cet état mental, c'est l'état mental que nous voyons aujourd'hui avec les immondices partout. Personne ne pense que c'est une affaire qui le concerne que d'enlever les immondices. Ils pensent qu'ils doivent être forcés à enlever les immondices. Voilà pourquoi... Parce que nous étions habitués à la chicotte. Nous étions et cela nous est resté, même sans le vouloir. Ça nous est resté. Ça se transmet de génération en génération. Tout à fait, parce que je voulais ajouter qu'aujourd'hui, vous entendez dire que non, Mboko, il faut Fimbo et Zonga. Donc, il faut Mounder la Zonga pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Il faut Nokwa Zonga. Tout à fait. Ça veut dire que c'est comme cet esclave qu'on vient d'affranchir à plusieurs années, alors que l'esclave ne connaît rien de lui, rien du lieu, il ne sait pas où aller, il n'a que le maître comme tout et en tout. Donc, c'est très difficile tant que cet esclave qui vient d'être affranchi n'est pas éduqué, n'est pas réinséré dans l'acceptation de soi, il n'est pas réinséré dans la connaissance de soi pour qu'il sache ce dont il est capable de faire et ne pas faire. Alors, on va revenir à vous, mais je souhaiterais que nous rentrions à la régie pour suivre cet extrait de Cheikh Anta Diop. Je crois que vous le connaissez très bien, ce savant africain sénégalais qui a également évoqué quelque chose en rapport avec le séquel post-traumatique lié à la colonisation. Je vous laisse les suivre et puis nous allons revenir sur ce plateau pour continuer. D'accord. Conférence à Niamey, Niger. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que, si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et ce sont justement les Blancs qui vont nous y aider. Moi, si je n'étais pas intimement persuadé de l'égalité des races, si je n'étais pas intimement persuadé de la capacité de chaque race de mener sa destinée intellectuelle et culturelle, mais je serais déçu. Que ferions-nous dans le monde? Alors, on vient de suivre là un tout petit extrait de Cheikh Anta Diop qui parle bien entendu de l'aliénation culturelle. Mais dans ça, on comprend une chose que vous étiez en train de développer tout à l'heure, que dans l'âme de l'Africain, en fait, il a été planté quelque chose qui le pousse à réfléchir comme le colonisateur a voulu qu'il réfléchisse jusqu'aujourd'hui, en se sentant inférieur. Et il a, au-delà de ça, développé les syndromes de Stockholm, au finish. Tout à fait. C'est ce syndrome de Stockholm que moi j'ai essayé d'adapter pour appeler le syndrome léopoldien. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, avec le syndrome de Stockholm, les otages ont fini par être amoureux de leur bourreau.
Et c'est exactement ce qui se passe. Nous qui avons subi ce traumatisme depuis des siècles, on nous a, et qui s'est transmis de génération en génération, nous avons fini par être amoureux de nos bourreaux. Si bien que nous pensons aujourd'hui comme eux, nous réfléchissons comme eux. Nous pensons aujourd'hui comme eux, nous nous appelons comme eux, nous vivons comme eux. Tiens, manger comme eux. Tout à fait. Nous avons changé notre mode de vie. Nous vivons comme eux. Lorsqu'on est en vacances, n'est pas nous nous rendons chez eux. Nous achetons des maisons chez eux. Donc, on s'oublie. On ne se connaît plus. On ne s'accepte même pas. Et ça, ça empêche le pays de se développer. Ça, définitivement, ça empêche le pays de se développer. Parce que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous. Nous continuons à le faire pour le colonisateur, comme il avait prévu que ça se fasse. Fiston Leko. Monsieur Mbombo Kayembe, on vous entend parler, quand on entend même le savant africain Tienkata Diop, est-ce que les pays qui ont subi de telles oppressions, notamment la RDC, ont-ils des défis pour surmonter cela et pour arriver à une réconciliation ou à un développement? Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, même avec la RDC, il y a de l'espoir. Mais le premier élément clé dans cet espoir-là, pour concrétiser cet espoir, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience, mais jusque-là, on ne semble pas voir ou déceler cette prise de conscience. C'est ça qui inquiète un peu. Donc la seule façon où on pourrait commencer à espérer, à remonter la pente, guérir ces plaies-là, c'est par la prise de conscience d'abord. Parce que jusque-là, vous ne trouverez par exemple jamais en Israël des enseignes quelque part qui vous rappellent de l'Allemagne. Jamais. Ou qui vous rappellent de cet holocauste en faveur des Allemands. Jamais. Mais quand vous sortez, quoi que vous fassiez ici, vous trouvez des trucs qui vous rappellent, qui glorifient d'ailleurs. Le colonisateur qui glorifie le Belge. Parce que nous-mêmes, au-delà du Belge, on n'a su rien faire. On est resté avec le même ville. À cause de cela, justement, à cause de ce traumatisme, à cause de cette aliénation-là, nous ne nous voyons pas comme nous-mêmes. Nous nous voyons comme, je ne sais pas moi, des neveux, parce que nous disons amicalement les noco. Qu'est-ce qui peut être comme un élément déclencheur de cette prise de conscience? On commence par où pour arriver à cette prise de conscience? L'élément clé, comme j'ai dit, c'est la prise de conscience. Et la prise de conscience la plus efficiente, c'est commence par l'éducation. Justement. Voilà. Je vous ai confié tout à l'heure que moi, j'ai entendu parler de Léopold II pour la première fois. J'avais déjà fini l'université, c'est quand je suis arrivé en Europe. Donc, durant... Je précise, vous avez entendu parler de ça après avoir fini l'université au Congo. Après avoir fini l'université au Congo, c'est en me rendant en Europe que j'ai entendu parler vraiment des vices de Léopold II. Donc, comme pour dire que pendant que j'étais encore ici, au pays, moi, je considérais Léopold II comme un véritable héros. Qui nous a sauvés, qui nous a amené la civilisation. La modernité, les hôpitaux comme on en a, les écoles. Jusque quand j'ai fini l'université. Vous vous rendez compte? Donc, c'est en Europe ou en faisant certaines rencontres, évidemment, que je suis tombé sur un livre qu'on appelle « Du sang sous les lianes ». Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur ce livre. Vous le cherchez. J'ai oublié les auteurs de ces livres-là. Et j'ai eu un choc de ma vie. C'est ce livre-là qui a changé ma perception sur ces choses, ma façon de voir. Parce que pour la guérison, en fait, de cet héritage post-traumatique de Léopold II, le roi à Belge, est-ce qu'il y a aussi une volonté de la part de l'oppresseur de pouvoir contribuer à cette guérison? Oui, absolument.
Absolument. Puisqu'on voit aujourd'hui, par exemple, avant de vous redonner la parole, on voit la restitution des objets d'art, par exemple. Le roi qui était là récemment, on a parlé. Pour la RDC, par exemple, le roi Manicom est en Belgique au moment où nous sommes en train de tourner cette émission. N'est-ce pas des actes qui démontrent peut-être que la volonté du colonisateur de vouloir un peu contribuer à la guérison? Non, il n'y a pas de volonté, tant soit peu, de la part du colonisateur de retourner ni ces objets, ni de nous reconstituer, oui, de nous établir, nous rétablir dans nos droits, parce que le colonisateur a profité durant tout ce temps de cet état des choses. Le colonisateur craint d'ailleurs le jour où nous allons nous réveiller, parce que si nous voulons vraiment que nous soyons rétablis dans nos droits, nous allons en exiger trop, parce que non seulement il y a des objets artistiques et consorts, mais qu'est-ce que nous ferons de tous nos morts? Parce que nous avons eu beaucoup de morts. Près de 8 millions, 10 millions. Plus de 10 millions. Même s'il n'y a pas de chiffres exacts. Qu'est-ce que nous allons réclamer, ou bien comment ils vont nous restituer tous nos champs, nos cultures qu'ils brûlaient pour nous appauvrir, pour nous soumettre? Ils ont fait beaucoup, pas mal de choses. Qu'est-ce que nous allons faire par rapport à notre culture, notre spiritualité? Parce qu'ils ont détruit tout ça pour que nous soyons perdus. Donc, ils savent que lorsque nous nous réveillons, nous risquons peut-être il risque d'y avoir des répliques. Comme ils redoutent de cette réplique, c'est mieux pour eux qu'ils nous gardent sous cet état d'ignorance. Donc il est impossible de penser à la réparation historique ou il sociale. Il est pratiquement impossible, parce qu'ils ne sauront même pas y arriver. Il y a des choses qu'on ne répare pas. Monsieur René, je voudrais que l'on fasse un pas en arrière pour essayer un peu de parler du rôle de la religion dans ces traumatismes-là. Tout à fait. Quel a été le rôle de la religion dans le processus de nous rendre malades? Oui. Donc, le rôle de la religion a été primordial. Sans la religion, on n'en serait jamais là. Donc, ils ont inséré dans la religion. Et pour commencer, vous savez que la Bible, c'est comme tout livre. Hein, donc, je m'excuse. Les chrétiens ne voudront pas l'entendre de cette oreille-là. Je ne voudrais pas heurter certaines sensibilités. Sensibilité, justement. Mais la Bible, c'est un ouvrage comme tout n'importe quel ouvrage. Par conséquent. On dit dès plus tard, c'est la parole de Dieu. Moi, je ne la vois pas de cette façon. Continuez. Et tel que moi, je sais, d'après mes recherches, c'est un ouvrage comme n'importe quel ouvrage qui a été mis ensemble, qui a été écrit par des écrivains tels que Shakespeare en Angleterre. Il a participé dans l'écriture de certains ouvrages, parce que vous savez, à l'époque, les différents rois, chaque roi pouvait faire sa version de Bible. Voilà pourquoi il y a beaucoup de versions de la Bible. Ouais. Ça veut dire que le roi, il décide, il engage des écrivains, il dit, bon, vous me faites ma version de Bible. Et pour cela, il y a eu, comme la plupart des royautés étaient en liaison avec l'esclavage, avec le racisme, voilà pourquoi ils ont pu insérer dans la Bible certains versets spécifiques qui encourageaient l'esclavage, qui encourageaient la soumission de ces nègres vis-à-vis de leurs maîtres, qui encourageaient des trucs comme la pauvreté matérielle, la pauvreté matérielle, qui encourageaient le laxisme. Ne faites rien, allez à l'église du matin au soir, tout ça. Il y a le paradis après, il y a le paradis vous aurez qui tout, vous attend, où vous allez vivre dans la joie tout le temps, en train de chanter, de manger à votre faim, tout ça. Donc vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là ici. C'est une construction. Donc par conséquent, c'est un état mental de maladie qu'on insère, qu'on inocule dans la tête des gens. Qui, par la fin, moi je connais des gens qui ont abandonné les études, je connais des gens qui ont refusé un emploi à la brasserie de Braliment, parce que... Cela ne correspondait pas avec leur conviction religieuse. Leur conviction. Donc, et vivre du pain et de l'eau, donc dans des conditions très difficiles,
parce qu'il y a espoir de vivre plus tard dans le paradis. C'est un état mental de maladie. Mais pourtant, jusqu'à aujourd'hui, la religion continue d'être... En fait, beaucoup de gens continuent encore à s'accrocher à la religion et parlent plutôt des mauvaises interprétations. Non, il ne s'agit pas de mauvaises interprétations parce que la religion, c'est un outil. C'est un outil qu'ils ont utilisé pour nous... Pour nous asservir. Hein? Et si vous voulez asservir quelqu'un, le plus simplement, c'est le détourner de sa culture, de sa spiritualité et de ses valeurs, ses systèmes de valeurs. Et voilà pourquoi nous, on nous a eu, parce que tous nos systèmes de valeurs ont été écartés, détruits. C'était archaïque, il fallait s'en séparer. On a créé la classe des évolués. Je ris chaque fois que je passe quelque part là, il y a une place dédiée. La place des évolués. Qu'est-ce que ça signifie, la place des évolués? Évoluer vers quoi? Évoluer de quoi? Tout simplement parce que c'était un groupe de personnes dont on a lavé le cerveau. On leur a montré comment peut-être qu'il fallait manger avec les couverts, s'habiller comme ça, dont ils ont coupé le lien avec leur communauté de base. Ils parlaient plus aux gens du village, soi-disant. Ils devaient parler en français. Moi, je rigole quand je passe même dans les cités, Matete, Lemba. Nos enfants, ils ne parlent plus que français aujourd'hui. C'est une acculturation et c'est grave comme état psychologique. C'est ça la maladie dont je parle. Moi, j'avais une question. Bon, l'État va, justement, vous avez dit, une des solutions, c'est l'éducation. Mais dans quelle mesure aussi l'État doit s'impliquer? Parce que vous dites aussi que, avant que nous nous montions sur le plateau, on parlait hors micro, vous êtes même étonné de la décision du gouvernement interdisant les motards d'entrer dans la commune de la Gombe. C'est une des manifestations, bien évidemment, de ces secteurs. Une reproduction de manière de penser. De ce qui était avant, les autochtones ne pouvaient pas accéder au centre-ville, ou du moins par dérogation. Tout à fait. Non, mais ça veut dire que moi je dis l'éducation est centrale. Pourquoi? Parce que non, même ces ministres là, il y en a plusieurs qui n'ont pas été éduqués à la culture congolaise, la vraie. C'est-à-dire il y en a plusieurs qui sont produits de ce traumatisme là mental. Parce que quand un ministre interdit aux motocyclistes... Qui sont des Congolais, des Kinois? Non, mais c'est des Congolais qui interdit aux autres Congolais, D'accéder à une partie du pays. Une partie du pays. Vous comprenez que ce ministre-là, parce que pour lui, cette partie est spéciale, c'est une partie les expatriés viennent, voilà. Il faut que ça soit... Tout à fait. Donc... On renonce à une partie de nous. Tout à fait. Pourtant, c'est une reproduction pure et simple de la ségrégation de l'époque. Justement. Les Blancs ou les Européens avaient des quartiers uniques à eux, que personne ne fréquentait. Il y avait d'ailleurs... Ces quartiers étaient encerclés pour la plupart du temps avec des arbres, les eucalyptus, tout ça, pour empêcher que l'air pollué des indigènes pénètrent dans ces quartiers-là. Ce sont ces quartiers-là où on devait trouver de la propriété, de la maintenance et tout le reste. On m'a appris aujourd'hui qu'il y a un quartier qui reflète un peu ça, Utex Africa, quelque chose comme ça. Utex Africa. Voilà. Donc ça reflète. Vous n'avez qu'à aller visiter et vous comprendrez ce qu'a été l'époque de la ségrégation raciale qui a continué. Nous avons d'ailleurs de la chance. Nous devons remercier nos pères d'indépendance parce que grâce à eux, nous n'avons pas pu hériter de tous ces régimes-là, des partis politiques entièrement blancs, des Belges, comme c'est le cas en Afrique du Sud ou à Zimbabwe. Donc, c'était ça dans l'idée du colonisateur. Tout ce qui s'est fait, la ville, les routes et consorts, ça n'a pas été construit pour l'indigène. Ça a été construit pour qu'ils s'y établissent des blancs colons qui allaient rester là, comme il y en a des colons aujourd'hui en Palestine. Donc, c'était ça le plan.
Alors, on va revenir à la prise de conscience. Vous dites que pour sortir de ce schéma-là, de ces cercles vicieux, il faut la prise de conscience. Mais on voit bien que nous sommes quand même loin de cette prise de conscience-là. Peu de gens ont conscience de ce que vous dites. Alors, la question que l'on se pose, que vous vous posez d'ailleurs dans ces livres, lorsque vous parlez de la génération Ingueta, les pays va-t-il vraiment en guérir? Combien de temps ça nous prendra pour que nous puissions nous rendre à l'évidence que nous sommes malades, nous souffrons des séquelles de la colonisation, nous les reproduisons sans le savoir, pour que nous fassions ces sursauts-là d'orgueil, revenir à nous-mêmes et engager cette fois-là notre pays sur la voie du développement. Alors, c'est très difficile de déterminer combien de temps ça nous prendra, mais moi, je préfère être dans le camp optimiste, je préfère rester positif. Ça nous prendra le temps que ça nous prendra, mais nous allons y arriver. Mais seulement, pour qu'on y aille un peu plus vite, pour qu'on ait la chance d'y aller un peu plus vite, moi je pense que nos dirigeants, l'État, devraient s'approprier de cette lutte-là. J'ai donné l'exemple de Jeune Coste. Jeune Coste fait très très bien le travail, même s'il n'est pas fini. Ils doivent développer un peu plus ou élaborer un peu plus le travail. Mais le Jeune Coste nous situe tout simplement au conflit armé qui a eu entre le Rwanda et L'armée l'Ouganda rwandaise et ougandaise vers sur à 2000, Kisangani. à Kisangani en 1999. 2000, 2000, 1999. 1999. Alors que nous avons eu ces genres de séquelles, nous avons eu des gens qu'on a violés, qu'on a violentés, qu'on a tués depuis des siècles. Donc ça demande qu'il y ait un génocide qui fait marche arrière, qui commence depuis vraiment L'esclavagisme, la l'esclavagisme, colonisation voilà. et tout. Et énumérer tous ces différents régimes oppressifs que nous avons connus. Alors, il ne suffit pas de cela. Représenter une structure qui rappelle tout ça, et cette même structure va se former à éduquer, à sensibiliser. Parce qu'il faut raconter l'histoire. Les gens L'histoire, doivent toute connaître l'histoire, l'histoire. absolument. Les gens doivent connaître l'histoire et n'est pas se retrouver dans la situation comme la vôtre, par Où exemple, moi je où me vous suis faites retrouvé. un cursus scolaire Tout à fait. académique Tout à fait. sans en avoir rien appris ou presque pas sur votre pays. De tout le mal que nous avons connu. Non, c'est pour cela donc, d'ailleurs, dans votre livre, vous dites que nous devons affronter les souvenirs de passé Absolument. pour guérir, évidemment, dans. Tout à fait. Je sais que certains des souvenirs sont douloureux. Insupportable. C'est insupportable. Mais nous devons les affronter pour terminer le conflit interne qu'il y a. Parce qu'en ce moment, nous vivons ce qu'on appelle La dissonance cognitive. dissonance cognitive. Dissonance cognitive, c'est quand il y a conflit entre ce dont vous Son croyez intérêt. et ce qui se passe en réalité. Vous avez aujourd'hui les gens qui disent moi, je viens d'avoir un enfant, mais l'enfant est très, très sombre. Hein? Donc, comme Il veut que quoi, son enfant soit un peu clair oui, pour avoir un peu ce qu'il rapprochement se avec les. rapproche un peu avec le blanc. C'est un conflit interne qui est très, très, très grave. Ça montre l'inacceptation de soi. Et c'est à travers l'éducation, par cette structure qui va traiter de ces blessures-là, petit à petit sensibiliser les gens, ainsi de suite, et prendre les gens en charge, rendre le pouvoir, j'aime bien le terme en anglais, to empower, c'est-à-dire leur donner confiance, en Voilà. fait. Parce que lorsqu'on leur donne confiance, ils seront capables d'inventer, ils seront capables de créer, ils seront capables de se regarder dans le miroir et s'accepter comme tel. Voilà. Au-delà de raconter l'histoire, vous soutenez également le fait de retourner dans nos racines, dans nos traditions. Mais quelque part, on serait un peu perdu puisque la peur de nos traditions sont presque effacées. Non, c'est pas, nos traditions ne sont pas effacées, c'est une très bonne chose. Ce serait une très bonne chose que de retourner dans nos traditions, parce que nos traditions sont toujours là et à nos attentes. C'est pour ça que j'ai dit que pour qu'on y aille un peu plus vite, ce serait mieux que l'État s'y implique. Parce que l'État, avec ses moyens, Mais l'État est conscient des hommes malades qui sont
qui sont traumatisés. Les malades peuvent... Bon, justement, l'État... Il n'y a pas que la justice qui est malade. Guérir. Non, l'État, ce n'est pas... L'État, ce n'est pas un seul individu. L'État, c'est vous et moi. L'État, c'est tout le monde. Voilà pourquoi il faut que... Moi, je dirais que nous avons besoin d'une révolution pour qu'on retourne aux fondamentaux. Ces fondamentaux qui sont nos systèmes de valeurs. Par nos systèmes de valeurs, nous allons pouvoir guérir de ces séquelles très rapidement. Voilà, votre prochain ouvrage qui est en chantier examine justement les liens qu'il y a entre la conférence de Berlin et les problèmes que connaît aujourd'hui la République démocratique du Congo. Pouvez-vous nous partager quelques idées sur comment ces événements historiques continuent à impacter ou à façonner les réalités actuellement? Alors, donc, grosso modo, je dirais que ce qui se passe aujourd'hui sur le plan, prenons d'abord sur le plan économique, c'est exactement ce qui s'est passé à la conférence de Berlin. Pourquoi ? À la conférence de Berlin, il y a eu les États européens qui se sont réunis, ainsi que les États-Unis, pour se partager l'Afrique. Ils se sont partagés l'Afrique pour des raisons de commerce à l'époque, parce qu'ils voulaient créer une route libre, un espace libre où n'importe quel pays pouvait venir s'aventurer en commerce. Alors que nous avions nos royaumes, qui était établi, qui faisait le commerce et le trafic comme il voulait. Donc, la conférence de Berlin est venue perturber tout ça. Déstructurer même. Voilà. Et quand vous regardez au jour d'aujourd'hui, cette conférence de Berlin est remplacée par l'Union européenne et les États-Unis. Ils font exactement la même chose. L'Union européenne et les États-Unis sont là pour garder contrôle sur la République démocratique du Congo. Donc, tout ce qui s'est fait là, c'est fait par leur aval. Et vous le savez, certains, pour prendre le pouvoir, ils se rendent d'abord là-bas. Donc, pour ne parler que de cela, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est toutes les guerres que nous connaissons, elles viennent de là. Elles sont signées par l'Union européenne et les États-Unis. À partir de la guerre de... Il y a eu la guerre de caoutchouc, il y a eu la guerre de l'uranium, vous savez d'ailleurs que notre uranium Hiroshima, Nagasaki. Nagasaki, voilà. Il y a eu la guerre de cuivre. Aujourd'hui, la guerre de l'uranium. Les guerres du Shaba. Toutes ces guerres-là sont commanditées à partir de l'Union européenne et les États-Unis. Et la guerre ici que nous avons par le Rwanda, c'est pareil. Donc, si vous y regardez tranquillement, minutieusement, vous verrez que c'est le même schéma qui s'est reproduit. Alors, voilà pourquoi moi j'en appelle à cette vigilance. Avec le même objectif, qui sont économiques. Économiques et de contrôle. On doit contrôler l'objectif primaire, c'est ils ne nous considèrent pas comme des hommes capables de qui ont des droits de jouir de tout ce qui les entoure. Eux, ils doivent le contrôler à notre place. C'est tout le problème. Donc, nous ne pouvons pas disposer de nos minéraux comme nous l'entendons, parce que nous sommes des Noirs. C'est tout simplement un problème de racisme. Et ça nécessite quand même un leadership fort pour nous tailler les chemins dans ces rocs. Absolument. Voilà pourquoi je reviens à l'éducation. Et l'éducation au niveau, prise en compte au niveau de l'État. Alors, on va dire à nos téléspectateurs que pour en savoir un peu plus sur ce que vous êtes en train de développer là, de lire votre ouvrage, L'héritage post-traumatique du roi Léopold II, au Congo, nous ne serons pas tout dire ici. Tout à fait. On tend vers la fin de l'émission. On aimerait quand même aborder certains aspects de votre vie, mais en rapport avec ce que nous sommes en train de dire ici. En tant que formateur en sensibilisation à la culture africaine en Grande-Bretagne, comme on vous l'a présenté en début de cette émission, comment percevez-vous l'engagement des institutions britanniques envers la compréhension et la réparation des injustices historiques liées à la colonisation? C'est vrai que vous avez effleuré cette question, mais ici particulièrement pour la Grande-Bretagne. Voilà. Donc déjà, en cette matière, moi j'aimerais que
faire comprendre à nos compatriotes que c'est du beurre. Il ne faut pas considérer que un seul instant, il ne faut pas croire. Vous ne pouvez pas croire à leur intention ou vous ne pouvez pas vous fier à leur volonté de faire quoi que ce soit pour nous. Parce qu'ils ne le feront jamais. Parce que aussitôt qu'ils feront ce qui est pour nous, eux, ils seront dans, ils vont perdre. Parce qu'ils vivent, ils sont comme des parasites. Ils vivent sous notre sueur. Et si nous décidons de nous affranchir, ils vont périr. Et voilà pourquoi il ne faut pas croire qu'ils peuvent avoir... Nous ne pouvons pas nous soumettre à leur volonté de faire quoi que ce soit pour nous. Pourquoi ils le feraient seulement maintenant? Ils ne l'ont jamais fait 5 siècles durant. Donc, voilà. Il y a aussi de leur côté une certaine prise de conscience du mal qu'ils ont fait. Et aussi, on entend souvent ces discours-là. Ils cherchent à regarder la vérité. Je n'ai jamais vu. On a vu par exemple avec la France qui est allée jusqu'à reconnaître ce qui s'est passé au Rwanda avec le génocide Tutsi ou tout. Non, ça, c'est des paroles vaines des politiciens. Parce que reconnaître le mal, vous repentir, hein, il ne suffit pas de vous repentir, il faut réparer aussi. On a même vu avec la Belgique, pour revenir à ça, il y a une commission Lumumba, même si on estime que toutes les questions n'ont pas été éclairées, mais il y a eu quand même cette commission-là. On a vu beaucoup des signes, les rapatriements des reliques de Lumumba. Ouais. On voit quand même... Je suis d'accord. Mais j'ajoute que ils ne peuvent pas le faire de leur, leur propre volonté. Ils peuvent le faire, ils peuvent se forcer à le faire à partir de notre poussée, partir de nos pressions, à partir de notre prise de conscience. Okay. Je vous ai dit en début de notre émission qu'il y avait des Congolais qui étaient enterrés dans un jardin. Plutôt que d'être enterrés dans un cimetière. Dans un cimetière, normal. Donc, s'ils avaient ne plus que tant soit peu de volonté, ils auraient rendu On en voit quelques-uns sur les images. Voilà. Ils auraient rendu les honneurs à ces Congolais en leur réservant des sépultures dignes d'être humains. Par exemple. Et voilà, dans votre travail, il y a aussi un aspect où vous êtes en train de former des professionnels britanniques sur la culture africaine. Tout à fait. Et on va parler de vous, justement, parce que on a vraiment beaucoup parlé aussi de la colonisation. On va un peu parler de vous. Tout à fait. Quels sont les défis que vous rencontrez quand il faut former ces groupes-là sur les cultures africaines? Voilà. Donc, le premier défi, c'est que quand vous êtes en face de l'Européen, l'Européen a un certain complexe de supériorité. Vous savez, de la même manière que nous voyons le complexe d'infériorité dans le chef de nous, Africains, des Congolais, comme on venait de le dire ici, des suites de séquelles. De la même manière, l'Européen a ce complexe-là de supériorité. Alors, mon travail de me rapprocher des professionnels, justement, c'est de professionnels britanniques, essentiellement européens, donc de couleur blanche. Et justement, ce rôle-là de casser ce mythe-là, d'essayer de les ramener sur terre, de leur montrer que eh bien, les Africains ou les Noirs qui vivent avec eux ne sont pas que des sauvages comme ils l'ont appris, parce qu'ils continuent à apprendre cela jusqu'à ce jour dans leurs écoles. Vous savez, ils organisent dans des écoles des journées où chacun apporte ses petites chaussures oubliées ou son habit pour envoyer en Afrique, parce que là, il y a des enfants qui souffrent et patati patata. Alors, tous, ils vous regardent avec ces yeux-là. Quels que soient vos diplômes, quel que soit d'où vous venez, tout ça, d'entrée de jeu, ils vous regardent comme ça. Et notre rôle en tant qu'éducateur avec eux, c'est de les ramener, de leur montrer que non, mais nous ne sommes pas ce que vous voyez à la télé. Hein, nous sommes des personnes
normal, normal avec hein, qui part vous entière, pouvez coopérer. Plus intelligent que vous, pour la plupart de temps, plus des capacités que vous, pour la plupart de temps. Alors, donc voilà, c'est un travail, parce que quand vous prenez, par exemple, la police peut arrêter quelqu'un parce que la personne essaie de cacher les yeux, ne regarde pas forcément. Alors, nous, nous sommes là pour leur dire que nous, nous avons appris que quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui est dans son rôle d'autorité, vous ne le fixez pas des yeux, c'est un manque de respect. Quand il vous parle, vous vous abaissez, hein, vous baissez les yeux. Vous reconnaissez en fait son autorité. Vous reconnaissez son autorité. Ces gestes-là. Voilà. Par contre, dans leur culture, quand vous ne regardez pas, vous avez quelque chose à cacher. Même pendant un entretien de travail, vous pouvez perdre le travail si de temps en temps, vous ne les regardez pas en face, en fixant les yeux. Alors, ces gens de différence, c'est notre rôle de les expliquer. Quand vous voyez quelqu'un ne pas vous regarder, c'est parce que c'est une façon de vous respecter. Pas seulement qu'il cacherait tout quelque à fait. Chose. Il n'a rien à cacher. On comprend que votre rôle est crucial hein, et on vous encourage dans cela. En tant que militant de droits de l'homme et entrepreneur social, ce sera peut-être l'avant-dernière question. Quelles initiatives concrètes avez-vous mises en place pour aider hein, les communautés africaines, congolaises, à mieux s'intégrer et s'épanouir dans les sociétés occidentales, en particulier en Grande-Bretagne, qui connaît quand même, où sont quand même, on retrouve beaucoup de Congolais. Tout à fait. Donc, la première des actions, déjà, c'est chaque fois qu'on d'organiser nos compatriotes ou nos frères africains, parce que, comme vous le savez, nous, particulièrement, qui venons de la RDC, en arrivant en Grande-Bretagne, nous avons un souci de langue, de langage. C'est déjà une grande barrière. Alors que la vie en Europe est basée pratiquement sur... Parce que comme c'est des individualistes, donc ils vous abandonnent à vous et vous avez... L'information éparpillée, vous avez l'information dans les rues, vous avez l'information dans les bouquins, sur Internet. Mais lorsque quelqu'un ne sait pas lire et écrire, il est buté à une barrière. Il y a un certain nombre d'informations dont il n'accédera pas. Voilà. Alors, notre rôle en tant qu'entrepreneur social, c'est d'aider ceux de nos compatriotes et africains à accéder au niveau à ces différentes informations parce qu'il y en a qui sont parfois vitales. Par exemple, en cas de maladie, nous les aidons non seulement à accéder aux informations concernant la maladie, comment s'y prendre, tout ça, mais aussi comment affronter le système parce qu'il faut connaître le système pour pouvoir en tirer les bénéfices nécessaires. Sans compter l'interprétariat, nous pouvons interpréter là où c'est demandé, ou rediriger, parce qu'il y a certaines de nos langues africaines où on ne peut pas tout de suite trouver des interprètes. Donc, nous sommes là pour essayer d'aider à rediriger, de façon que nos frères qui viennent d'Afrique ou du Congo puissent bénéficier comme ils se doivent de leur dignité, de leurs droits. Et ça marche. Et mieux s'intégrer dans la société anglaise. Mieux s'intégrer dans la société anglaise. Et ça marche. Hein. Et ça marche, petit à petit, ça marche. Une question, monsieur Oleko. Pas de question. Un dernier mot, monsieur Irénée, par rapport à tout ce que nous sommes dit. Que finalement retenir pour revenir aux séquelles post-traumatiques et la manière de nous en sortir, de nous en guérir pour aller de l'avant. Que retenir de tout ce que nous sommes dit? Alors, ce que nous pouvons retenir, c'est que nous devons, nous qui comprenons, déjà, je vous suis très reconnaissant d'avoir cette discussion, parce que franchement, ce n'est pas une discussion qui est à la portée de tout le monde. Et déjà, moi, j'encouragerais que ce genre de discussion s'étende jusqu'au niveau de l'État, jusqu'au niveau de nos dirigeants. Parce qu'aussitôt que les dirigeants prendront en compte cette discussion, ils vont pouvoir les insérer
pour la vulgarisation ou bien pour la praticalité dans l'éducation, dans même dans nos arts et métiers, comédies. Quand vous regardez nos comédies, vous sentez qu'ils ne sont pas sensibilisés culturellement. Nous ne nous connaissons pas. Notre comédie, c'est des comédies des gens qui souffrent de ces séquelles-là. Alors, donc, en prenant en compte ces discussions, nous allons changer toute cette façon-là de faire et nous allons revenir à nos valeurs, qui sont nos fondamentaux, pour espérer vraiment démarrer. Si nous sommes ancrés dans nos valeurs, ce pays va démarrer, je n'en doute pas. Merci beaucoup, Monsieur Mbombo Kayembe, Irénée. Merci beaucoup à Fiston Oleko. Merci. Le diagnostic a été posé par Monsieur Irénée. Le Congolais, vous et moi, peut-être, nous souffrons d'une maladie. Nous souffrons de la maladie due à notre passé colonial, mieux, à toutes les oppressions que nous avons subies. Et cela, sans que nous nous rendions compte, se répercute dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de comprendre le monde, dans notre façon d'appréhender les développements. Pour que nous changions des directions, il nous faut prendre conscience, selon ce que nous suggère M. Mbombo Kayembe, de cet état de choses. Et après cela, nous pouvons nous engager sur l'orbite des développements et voir le Congo devenir une puissance comme le souhaite plus d'un. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi un chemin critique présenté spécialement aujourd'hui par Moumad Kilouka. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés de l'autre côté de la régie. Le prochain numéro, c'est déjà la semaine prochaine avec sans doute Oli Kalingai. Au revoir et à bientôt.